Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer le produit anti-chat d'Action. Donc c'est un truc, une fois ouvert, c'est dans deux sachets. Donc là il n'y a même pas un dixième d'un sachet, hein. Enfin, il doit y avoir un dixième d'un sachet, du coup vous allez vraiment de quoi faire. Ça sent très fort, alors moi la première odeur que je sens c'est de l'ail, très très fort. Ça pue, c'est horrible. On va voir si ça fait quelque chose au chat, comme ça vous avez la réponse directe. Ouh là 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 là. Bon, ça n'a pas l'air de lui plaire. Hein. Mais je m'attendais à une prise de distance supérieure à ça. En fait, ok, ça chlingue, mais bon, on voit qu'à 10-15 cm près, elle aime pas du tout. Mais moi, j'ai posé ça par exemple sur ma fenêtre. Donc, vous avez vu, j'ai même mis ça, des cure-dents coupés, pour pas qu'ils se blessent, pour qu'ils arrêtent de venir sur. Sur ma fenêtre de chambre, parce que c'est pénible, je les entends et tout. Et du coup, je mets ça. J'espère que ça fera quelque chose. Si c'est pas assez, bah, je vais en répandre un petit peu partout. Parce que là, en fait, je l'ai mis en mode concentré dans un bocal. Je peux vous dire que ça sent très fort, hein. J'avais la fenêtre ouverte, j'étais dans mon lit, ça chlinguait. Donc, et ça venait pas des draps. Hein. Donc, je peux vous dire que ça, c'est. Ça marche. Enfin, en tout cas, ça sent pas bon. Donc vous en mettez autour de votre voiture s'il pisse sur la voiture. Vous en mettez là où vous voulez pas. Vous savez, dans le jardin et compagnie. Et voilà, c'était le petit retour d'expérience. Vous avez vu que Toufi n'aime pas du tout l'odeur. Mais qu'il faut quand même qu'elle soit proche pour vraiment le sentir. Donc voilà le retour d'expérience. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres expériences avec ce produit. Et puis abonnez-vous surtout à la chaîne. Il y a plein de tests Action, Lidl et compagnie. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut!